Un temps très agité. C'est comme cela que Météo France qualifie l'épisode venteux qui balaie le Nord-Pas-de-Calais depuis ce matin. Au Cap Griné, les moutons sont surveillés de près. Je vérifie bien qu'ils sont tous là, qu'ils sont pas sur le dos. Les brebis peuvent se mettre sur le dos. Ici, on enregistre déjà des rafales de vent à 95 km/h. La mer se déchaîne et la pluie arrose les passants. Pas de quoi entamer le moral des promeneurs. Oh, c'est trop dur! Ouais, c'est sympa, c'est un bon bol d'air là. On peut en pleurer quand même. Un sacré. Ouais. Ouais, c'est bon. Chouette. On mange du sable en plus en même temps. Il faut tenir les blousons, faut tenir les capuches. Oui, oui, mais c'est pas grave ça. On arrive nous de Paris et ça fait un bien fou. Un parfum de liberté iodé, très apprécié par les plus jeunes. Quand il y a du vent, c'est assez impressionnant comment ça se fort. Et... Bon. C'est pas aujourd'hui qu'il y aura des voiliers. Est-ce qu'elle est contente la mère? Non, elle est en colère. Pourquoi la mer est en colère? Parce qu'elle a plein de flaques. De la pluie et du vent qui vont s'intensifier dans la journée. On attend ici des rafales pouvant atteindre 130 km/h la nuit prochaine.